voyez à droite, la poussière qui se reposait à gauche. C'est un déplacement, voilà tout. Pétunia ? Monsieur. Ernest n'est pas arrivé ? Non, monsieur. Non ? Enfin. Pétunia ! Madame. Monsieur Ernest n'est pas arrivé ? Non, madame. Non ? Enfin. Ils ne peuvent plus se passer de leur Ernest. Monsieur a été lui-même le chercher en ville en voiture. Et il l'a installé pour les vacances dans le pavillon au fond du jardin. Mais à part ça, il paraît que c'est dans la nature. Un mari aime toujours l'Ernest de sa femme. Ernest n'est pas arrivé. Non, je ne l'ai pas vu. Aimer, tandis que moi, tous les jours, un billet. Aujourd'hui, je te fais part de mes terreurs. Ce cocher que je vois rôder sous mes fenêtres. Madame, n'a pas d'ordre à me donner? Si, j'ai à vous parler, mademoiselle. Je vais sans doute être forcée de me priver de vos services. Madame me renvoie. Vous ne devez pas en être bien surprise. Je devais m'en douter. Je n'ai pas le bonheur de plaire à monsieur Ernest. Plaît-il ? Pourquoi les affaires de mon ménage regardent-elles monsieur Ernest ? Oh, je dis ça parce que monsieur Ernest est l'ami de monsieur et de madame. Madame ne donne qu'à 8 jours. Certainement, nous n'en sommes pas à quelques jours près. Ah, ça me fait de la peine. J'étais attachée à madame et à monsieur Marjavel. Et monsieur Ernest aussi. C'est bien, puisque vous êtes dévouée et discrète. Madame. Je verrai mon mari, je lui parlerai. Il est très froissé de ce cocher que vous recevez. Dame, je ne peux pas recevoir des ambassadeurs. Allez, donnez mes ordres. La robe que madame portait hier est bien fatiguée.
Est-ce que madame compte la remettre? Non, je vous la donne. Oh, je ne quitterai jamais madame. Il me tient. Nous aurons commis quelque imprudence. Et Ernest qui n'est pas là. Ernest n'est pas arrivé. Mais non, je l'attends. Mais moi aussi, parbleu. 11 heures. Je parie qu'il est encore à sa toilette. Oh, s'il croit que j'ai invité à venir à la campagne pour se cirer les moustaches. Oh, je finirai par prendre un parti. Lequel? J'en inviterai un bon. Oh, tu es injuste. Hier, il a arrosé ton jardin jusqu'à 9 heures du soir pendant que tu fumais ton cigare. Moi, je ne suis pas arrosé. Ça me fait mal au rein. Tu as fait une yard. L'as-tu? Oh, mon ami. Quoi donc? Permets-moi. C'est aujourd'hui ta fête, la Sainte Alphonse. Une calotte? Brodée par moi, en cachette, comme tu t'enlumes souvent d'ici à mon hiver. C'est vrai, ça me grossit le nez. Et j'ai fait roiter l'intérieur avec de l'édredon. Elle m'entoure d'édredon. Ma parole, il n'y a pas sous le ciel homme plus heureux que moi. Avec ma première femme, c'était la même chose. J'ai vraiment une chance de pendu. Ah, Hermance, tu n'as pas affaire à un ingrat. Et ce soir, j'irai lire mon journal dans ta chambre. Oh, tais-toi donc. Tu ne veux pas que j'aille lire mon journal dans ta chambre? Dis-le donc. Ah, tu ne le dis pas. Oh, Marjavel, tu es fou. Ah, sapristi! Quoi donc? Et puisque c'est aujourd'hui ma fête, nous allons recevoir des visites. Je plains avec son bouquet, il n'y manque jamais. Et puis Berthe, sa nièce, et Isor, ma tante. Eh bien! Mais comment allons-nous faire? Tu as renvoyé Pétunia et nos domestiques ne sont pas arrivés. Il ne nous reste qu'Ernest. Non, je n'ai pas renvoyé Pétunia! Ah? Cette fille est dans une position très digne d'intérêt. Allons donc. Je l'ai fait parler. Elle élève avec ses faibles gages deux orphelins. Pas possible. Et elle leur fait donner une très bonne éducation. Sur ses économies. C'est une vie de sacrifice, de dévouement. Qu'est-ce que tu fais? Je la sonne, je vais lui adresser quelques mots. Approchez, mademoiselle, approchez. Je sais tout. Continuez, mademoiselle. Continuez à marcher dans cette voie d'abnégation et de sacrifice que vous vous êtes tracée. Plaît-il? L'orphelin porte bonheur. Continuez, mademoiselle. Continuez. L'orphelin porte bonheur. L'orphelin? Taisez-vous donc, puisqu'on vous garde. Oh, elle est forte, madame. Je viens souhaiter la fête à Marjavel. Monsieur Joblin? Habitude que j'ai contractée du temps de sa première femme. Je vais l'avertir de votre présence. Je ne puis entrer dans ce salon sans être ému. Ah, Mélanie. C'est l'autre. Mais qui est-ce qui retourne toujours la seconde? Ah, chère Mélanie. On t'a remplacé au bout d'un an et 3 jours, on oublie si vite. Mais me voici, moi, me voici. Je viens accomplir mon pieux pèlerinage. Ah, chère Mélanie, nous fûmes bien coupables. Nous t'avons trompé, Marjavel, homme excellent, homme parfait, homme admirable. Je n'ai pas de regret parce que je me repens. Et si je me repens, c'est qu'elle n'est plus là. Sans cela, la dernière fois que nous nous vîmes, nous étions en fiacre. Tu avais peur bleue d'être connu qui te rendait charmant. Tu te cachais derrière ton éventail que tu étais censé avoir gagné à la loterie. La loterie? C'était moi. Ah, pauvre enfant, tout ici me rappelle ta personne. J'avais eu l'idée machiavélique d'offrir cette tortue à Marjavel pour sa fête. C'est là-dedans que nous cachions notre corps. Hein? Un billet, un ancien qui est resté. Quelle imprudence. Écrit d'une main tremblante, tu te
trembler toujours. Un grand malheur nous menace, le cocher du fiacre nous a reconnus, il nous épille, il porte le numéro 2114. Tâchez de le voir, j'ai le pressentiment que ce fiacre nous portera malheur. Monsieur Margeret, vous êtes là? Ah, très bien. Je vais lui apporter ce bouquet de roses et cette bouteille de rhum de 1789. Il n'y en a qu'une au monde. Je viens souhaiter la fête à Margeret. Monsieur Ernest! Un bouquet de roses, une bouteille de rhum de 1789. Il n'y en a qu'une au monde. Je vais souhaiter à vous. Je ne puis entrer dans ce salon sans être ému. Hermann. Tiens, c'est l'autre. Mais qui est-ce qui retourne toujours la vieille? Nous fûmes bien coupables. Nous t'avons trompé, Marjavel. Homme parfait, homme excellent, homme admirable. Je n'ai pas de remords parce que je ne me repens pas. Oh, mais pas du tout. Hermann. Nous avons fait avant-hier une promenade délicieuse tout le long des fortifications. Ce matin, j'ai retrouvé dans ma poche le numéro du fiacre. 2114. Je le conserve comme un symbole d'amour et de petite vitesse. Voyons si tu n'as rien laissé pour moi dans la tortue. C'est très commode, cette cachette que nous avons trouvée. Rien ! Ah, vous voilà ! Je vous attends depuis ce matin. Qui a-t-il ? Je n'ai qu'une minute et mille choses à vous dire. Ah ! On vient ! Remettez-vous ! Je ne sais par où commencer. D'abord, ma femme de chambre a des soupçons. Pétunia ? Monsieur Marjavel voulait la renvoyer. J'ai obtenu qu'elle reste. Bravo, on ne renvoie jamais une femme de chambre qui a des soupçons. Il a engagé des gens sûrs pour nous espionner, sans doute. Quelle idée. Ah, on vient. Non. C'est une voiture. Une voiture. Vous m'y faites songer. Méfiez-vous du cocher. Quel cocher? J'ai oublié le plus important. J'ai laissé mon éventail dans le fiacre. Un cadeau de mon mari. Mais je suis là, moi. Je l'ai trouvé et je l'ai serré dans la poche de mon paletot. Alors vite, rendez-le-moi. Ou plus tard, je suis allé ce matin chez mon oncle et j'ai oublié mon paletot. On va le trouver. Nous sommes perdus. Mais ne tremblez donc pas toujours. Je suis discret. Prudent. Ah, mais c'est ennuyeux de poser comme ça. C'est à peine si nous pouvons nous voir tous les 36 du mois et nous serrer la main entre deux portes. Mais c'est que je ne vis pas. Hier soir, je voulais vous surprendre. Comment ? J'ai grimpé sans bruit le long du treillage qui mène à votre balcon. Je me croyais arrivé à votre fenêtre. J'ai frappé trois petits coups et une grosse voix m'a répondu : qui va là ? À la chambre de ma tante. Nous sommes perdus. Mais non. Je me suis laissé dégringoler et tout est rentré dans le silence. Mais je reviendrai ce soir. Pas ce soir. Ça ne se peut pas. Je vous le défends. Pourquoi ? C'est la fête de Monsieur Marjavel et... Quoi ? Rien. Écoutez, si la chose est possible... Non, ce ne sera pas possible. Elle a été apportée en 1789. Oh. Partez, il ne faut pas qu'on nous trouve ensemble. Par un cousin de Lafayette. Vous reviendrez en 5 minutes. Oui. Dont le neveu la légua au grand-père de mon membre. Voyez-vous cela ? J'oublie. Oh, je suis bien heureux. Il n'y en a plus au monde. Ah ! Ernest n'est pas arrivé ! Non, je ne l'ai pas vu. J'ai laissé Berthe, ma nièce, avec sa femme de chambre, en train d'achever un petit ouvrage pour la Sainte-Alphonse. Oh, cette chère Berthe a aussi pensé à moi. Elle ne va pas venir. Mais qu'est-ce que fait Ernest ? Sans être exigeant, il me semble qu'un jour comme celui-ci... Mon cher Marjolet ! Monsieur Ernest ! J'aurais préféré moins de pleurs et un peu plus d'empressement. Excusez-moi. J'ai fait une longue course ce matin pour vous apporter... Quoi ? Il n'y en a qu'une au monde. Elle a été rapportée par un cousin de Lafayette. Alors, il en a rapporté deux. Mes amis, je vous remercie. Et pour vous témoigner...
précieux cadeau, ces deux bouteilles, je les boirai seul. Je n'en donnerai à personne. Mais ne me remerciez pas. Vous en aviez donc deux. Mais non, la mienne vient des quatre réunis animales. Monsieur Marjavel, permettez-moi de vous offrir mademoiselle Berthe. Une paire de bretelles. L'ouvrage de ses doigts, je l'ai vu faire. Merci, cher enfant. Je vous promets de les porter tout seul. Cousin, vous avez oublié votre paletot chez mon oncle et voici ce qui est tombé de la poche. Oh, les bouteilles! Voyons. Très joli. Nous sommes perdus. Ah, mon gaillard! Vous laissez traîner des éventails dans vos poches de paletot. Il ressemble à celui de Mélanie. Monsieur Marjavel n'avait pas le droit. Oh, je crois que cet éventail appartient à une femme. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas à la mienne. Certainement. Très drôle, très drôle. Juste, je le reconnais, c'est... Quoi? L'éventail d'Anne d'Autriche. Que je viens d'acheter pour l'offrir à ma cousine Beth. À moi? Vous voyez bien qu'il m'aime. C'est incroyable. Y a-t-il d'incroyable? Non, je dis, c'est incroyable comme il ressemble à celui que j'ai donné à... Harry! À Anne d'Autriche. Oh, quoi? On a touché à ma tortue! Non! 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 Mais si, la carapace est levée! Avez-vous pris mon billet? Non! Nous sommes perdus! Comme j'ai bien fait de passer par là. Tiens, ça forme une petite boîte, ça s'ouvre. Le billet n'est plus! Quelqu'un l'aura pris! C'est Pétunia! C'est très gentil, j'y mettrai des timbres poste. Madame a sonné! Allez nous chercher un fiacre, un grand, nous sommes cinq! Bien, monsieur! Mes amis, j'ai un projet. Nous passerons notre journée ensemble. Le fiacre numéro 2114. Ah, mon Dieu! Viens quoi? Rien, je me suis piqué. J'ai une trompe. Je me suis piqué. Nous allons tous souper au restaurant. C'est moi qui paye pour ma fête. Quel bonheur, je n'ai jamais soupé au restaurant. 2114, c'est le numéro de notre fiacre. Mais je le sais bien. Il nous a reconnus. Mais non. Mais j'en suis sûr. Ah, diable! Cachez-vous. Esquivez-vous. Il n'est pas probable que ce cocher le reconnaisse au bout d'un an, cependant la prudence l'exige. Ah ça, mais quel diable de toilette faites-vous là? Je crains les mauvaises odeurs. Je crains la poussière. Je crains le soleil. Pétunia, s'il y a deux domestiques me demander, vous les prierez de ma tante. Bien, monsieur. Tiens, voilà 20 francs. Brûle-le. Quoi? Bon voyage! Me voilà maîtresse de la maison. Il n'y a plus que moi ici. La 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 la. C'est que ce matin, avant de partir de chez nous, je me suis absenté au fond du jardin. Alors j'ai emprisonné un hanneton dans mon pantalon. Un hanneton? Il me gratte, il me grignote. Mais pourquoi que tu le gardes? Je le garde pas par gourmandise, mais quand on voyage en chemin de fer avec des dames qu'on ne connaît pas, on ne peut pas ôter sa culotte. Ça ferait crier l'administration. Mais il fallait descendre à une station. Oh, ben oui, j'ai essayé. Mais on n'est pas plutôt descendu. Qu'il faut remonter. Oh, mais si longtemps. Là, qui change de place, l'animal. Il se promène là-dedans comme dans un parc. Tape-moi dans le dos. Ferme. Ferme. Ah. Il descend. Il descend. Tant pis. Je vais l'ôter. Oh non. Il n'y a personne. Et Pierre et moi? Toi, fais le quai. Si quelqu'un vient, tu m'avertiras. Allons, dépêche-toi. Si on savait ce que c'est que de posséder un hanneton dans son intérieur. Maintenant. Guten Tag, mein Fräulein. Guten Tag, mein Fräulein. Qu'est-ce que c'est que ça? Und ihr, Herr Marjavel, ein Mann, welcher einen großen Bauch und Reichtum hat? Ein Mann, welcher einen großen Bauch und Reichtum hat? Qu'est-ce que vous voulez? Elle ne comprend pas. C'est-il pas ici que demeure Monsieur Marjavel, un homme qui a de la fortune et un gros ventre? Un homme qui a de la fortune et un gros ventre? Vous êtes les domestiques? Ja. Ah, répète un peu votre tête. Wir sind diesen Morgen. Nous sommes partis ce
matin? Nous sommes partis ce matin à 4 heures. À la bonne heure, vous parlez français? Ya, un petit peu, pas beaucoup. De temps en temps, tout de même. Mais ma femme, elle a été plus à l'école que moi, qui n'y suis pas été du tout. Alors, madame parle français? Ya. Et vous venez pour rentrer au service de monsieur Marjavel? Ya. Et ça, c'est votre mari? Ya. Ah, vous n'êtes pas gêné, vous? C'est votre femme qui porte les paquets? C'est la position qui convient à une femme qui a fait des turlutelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a commis une faute avant son mariage. Avec vous? Avec moi, ce ne serait pas une faute. Tu m'avais promis que tu n'en parlerais jamais. Je n'en parlerai jamais, je l'ai juré. Mais je peux bien le dire à mademoiselle qui ne le sait pas. Quand j'ai épousé Lisbeth, c'était une gringalette maigre de rien du tout. Un jour, son père va me trouver dans les champs. J'arrachais des betteraves. Il me dit, « Grandpa, tu es un honnête homme. Ma fille a commis une faute, je te la donne en mariage. » Ah, c'est engageant. Je lui répondis par un sourire d'incrédulité qui voulait dire, « Père Javor, France, ma cousine, je suis sensible à votre ouverture, mais j'aime mieux être le premier à Rome que le second à Lisbeth. » Vous êtes fier. Je suis un peu fier. Oui, vous l'aimez. Je l'aimais parce qu'elle avait 5000 francs qui lui venaient de sa mère, madame Chaffard Cross, ma cousine. Alors, c'est pour ses écus. Ya, ils étaient placés chez Frenely à 22%. C'est un joli intérêt qu'il ne payait pas. Monsieur ne payait pas. On laisse accumuler. Accumuler? Quoi accumuler? Accumuler. Mais au moment de régler, il est parti avec le magot. Alors, vous êtes volé? Ya, je le retrouverai. Où sont-ils? Je veux les voir. Monsieur, les voici. Elle est gentille. Ah non, il ne faut pas me donner la main, voyons. C'est bon chez vous. Mais ce sont des paysans. Ils se formeront. Pétunia va vous montrer la propriété. Nous causerons demain. Bonsoir, monsieur et madame. Bonsoir, monsieur et madame. Je vais enfin pouvoir monter. Qu'as-tu donc? J'ai mangé 2 tranches de melon. Oh, je te le disais bien. Oh, c'est incroyable, la première tranche passe toujours très bien. Mais la seconde m'est fatale. Alors pourquoi en prends-tu 2? Qu'est-ce que tu veux? Le jour de ma fête. Oh, ça va pas. Diable, de seconde tranche, j'étouffe. Mon ami, si tu ne te sens pas à ton aise, tu ferais mieux d'aller te coucher. Tu crois? Le lit, il n'y a rien de mieux. Oui. Bonsoir. Dis, demain, j'irai lire mon journal dans ta chambre. Oui, dépêche-toi. Hermance, j'arrive le cœur plein d'amour. Il faut vous en aller. Pourquoi? Mais mon mari est là, accouché. Ça ne me gêne pas. Hermance. Oublions le ciel et la terre. Nous sommes seuls au monde. Vous êtes Juliette et je suis Roméo. Plus bas. Un baiser. Un seul. Hermance, oh, est-il ennuyeux cet animal-là? Il ne me laisse pas un moment tranquille. Hermance. Il vient. Fuyez. Oui, ça me connaît. Hermance. Sacre. Impossible. Comment? On est où vous cachez? Hermance. Là. Hermance! Tu m'entends donc pas, ma chère amie? Non, je n'ai rien entendu. Ça ne va pas. Qu'en aille-t-on de suite me chercher, Ernest? Oh, c'est inutile! Ça y est, je veux voir Ernest! Pétunia! Pétunia! Oui, monsieur. Va me chercher, Ernest, dans le pavillon au fond du jardin. Et s'il dort, n'hésite pas à le réveiller. Bien, monsieur. Je ferai coucher Pétunia dans le hamac. Voilà une idée! Si, comme ça, si j'ai besoin de soins. Mon Dieu! Quoi? Ah, mais tes mains sont glacées! Ah, mais tu te refroidis! Il faut marcher! Marcher! Vite! Oui, pour établir la circulation. Plus loin, tu as tout le jardin pour te promener. C'est juste, je vais jusqu'au bout et je reviens. 1, 2, 3. Vite, sortez! J'étouffe! Je vous demanderai un verre d'eau sucrée. 22, 23, 24, 25.
26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Avec un peu de fleur d'oranger, monsieur. Vous reviendrez dans 5 minutes. Oui. Quel métier. 52, 53, 54, 55, 56. Ernest n'est pas arrivé. Pas encore. Oh. Je suis blessé. Oh. C'est la marche. On m'a fait demander. Oh, monsieur Ernest. Qu'y a-t-il? Mon mari est un peu souffrant. Pauvre ami. Comment vous sentez-vous? Oh, bien fait. J'ai cru que vous ne viendriez jamais. J'étais couché. Le temps de passer un pantalon. Moi, monsieur, si j'avais un ami malade, je ne songerais pas à ma toilette. Ce ne sera rien. Un peu de prostration. Comment dites-vous? C'est de la prostration. Ce n'est pas dangereux? Non. C'est de la prostration que j'ai. Ce n'est pas dangereux. Monsieur Ernest, faites le cataplasme. Moi? Oui. Tournez, tournez! Et on appelle ça un rendez-vous d'amour. Ça passe, ça va mieux. Hermance, mets-toi là près de moi. Plus près. Oui, mon ami. Il oublie donc que je suis là. Tu es un ange, et je ne sais comment te remercier. Sacre bleu. Je l'aime bien, ton gros loulou. Voilà le cataplasme. Comme il a l'air bon. Oui, il a le sommeil bon. Et d'où? Ça, on ne peut pas dire le contraire. Je parie qu'il pense à moi. Mais pourquoi? Parce qu'il m'aime. Mais il ne l'a jamais dit. Oh, cela ne fait rien. Vous n'avez pas remarqué comme il rougissait hier en me donnant l'éventail? Ah, c'est vrai. Alors, pourquoi ne lui parlez-vous pas de votre projet de mariage? Mon projet, mais c'est le tien. Du tout. Vous m'avez dit un jour, je crois qu'Ernest fera un vrai mari. C'est vrai, mais je ne pensais pas à toi. Ah, tant pis. Il ne fallait pas me le dire. Il y a une chose qui me dérange. Je suis son tuteur et tu es plus riche que lui. Ah, voilà pourquoi il hésite autant à se déclarer. Vous ne comprenez pas cela. Vous préférez nous sacrifier à des calculs d'intérêt. Tu y tiens? Oui. Une fois, deux fois, trois fois? Oui. Eh bien, laisse-nous. Je vais lui parler. Que vous êtes gentil. Promène-toi dans le jardin, je t'appellerai. Comme il va être heureux. Le concierge m'a remis une lettre. Donne. Un instant. C'est-il vous? C'est-il lui? Ou c'est-il le bourgeois qui connaît le fiacre 2141? Le fiacre? C'est moi. Pas. Bah. Il m'a reconnu. Très simplement, Mélanie. Je te découvre enfin. Non, non. Quand on se promène en fiacre avec une petite dame, on ne donne pas 25 centimes au cocher comme les gens vertueux. Je croyais en avoir donné 30. Je pourrais faire du scandale, mais je suis honnête. J'aime mieux t'emprunter 500 francs. Hein? Je les attends sous le septième bec de gaz. Si je ne les ai pas dans une heure, je t'en montrerai. Signé 2114. C'est un scandale. Il dirait tout à Marjavel. Je ne dois pas hésiter. As-tu 500 francs sur toi? J'ai 25 centimes et 13 sous. Et que faire? Dans une heure, il m'en manquera 1000. Et si je les empruntais à Ernest? Sans le réveiller, c'est plus simple. Ah, il reste un billet de 500. Comprends? Monsieur, tu trouveras le fiacre 2114 sous le 7e bec de gaz. Le fiacre sous le 7e bec de gaz. Tu lui remettras ce billet. Tu lui diras que c'est de la part du jeune homme. Quel jeune homme? Mais moi! Enfin, on pouvait le demander! Un chantage. Ah, Mélanie, si tu savais ce que tu me coûtes. Ernest. Ernest! Ah, quoi? Voilà qu'elle me lâche. Chut! Ah, c'est vous! J'ai pu m'échapper un instant. Mon mari fait sa barbe. Il va mieux aujourd'hui. Je crois bien. Il ne souffre plus. Parbleu.
J'ai fait chauffer assez de serviettes. J'ai assez fricassé de cataplasmes. Voyons, calmez-vous. J'arrive près de vous, heureuse, confiante. Ce n'est pas malheureux. Depuis 2 mois, je crois que c'est la première fois que je peux me trouver un peu seul avec vous. Eh bien. Quoi? Causons. Le moment est venu de causer. Mon mari! Oh, je l'entends! J'ai retrouvé mon filou! Frenly, c'est le cocher, le numéro 2114. J'allais lui remettre le billet de 500 francs lorsqu'il m'est venu une idée honorable. Je lui ai dit pas de réponse et j'ai gardé les 500 francs. Eh bien, qu'a-t-il répondu? Il a répondu, ah, c'est comme cela, eh bien je reviendrai. Comment il reviendra? Faut que je fasse mes comptes. Mais si, bien, faut que je fasse mes comptes. Mais qu'avez-vous donc, mon nom? Moi, rien. Je cours chez mon banquier. Adieu. Monsieur, je voudrais vous demander un service. Avoue qu'est un homme capable. Capable de quoi? Vous êtes capable. Voyons, parle. 5000 francs, moins 500 francs, plus les intérêts pendant 1 an, 6 mois et 23 jours, plus un jour d'intérêt en moins qu'aujourd'hui. Combien que ça fait? Qu'est-ce que tu me chantes là? Je vais recommencer. 5000 francs, moins 500... Va te promener, tu m'ennuies. C'est bien la peine d'être un homme capable. 5000 francs, moins 5... Plus les intérêts... Je pourrais jamais faire ce compte-là. Ben. Avez-vous vu mon nom? Il me quitte. Ah. Elle baisse les yeux. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'inconvenant? Ah, c'est égal, monsieur. Je croyais que vous seriez plus content que ça. Moi? Je suis ravi, enchanté. Et vous ne me sautez pas au cou? Mais si, je te saute au cou, comment donc? Ce n'est pourtant pas sa fête aujourd'hui. À la bonne heure. Et dire que mon nom croyait que vous ne m'aimiez pas. Oh. Mais moi, j'y vois clair. Vous rappelez-vous notre promenade au Jardin des Plantes? Au Jardin des Plantes? Le jour où j'ai donné à manger à l'autruche. Parfaitement. Marjavel m'a fait porter un pain de 4 livres tout le temps de la promenade. Pour les ours. Eh bien, c'est là que j'ai vu que vous l'aimiez. Devant l'autruche. Cette vilaine bête avait pris une main avec le gâteau que je lui présentais. Elle allait tout avaler quand vous n'avez pas craint de passer votre bras à travers les barreaux. C'est vrai. J'ai saisi le bout de votre gant qui allait disparaître. J'ai tiré, l'autruche aussi. Et vous êtes tombé. En vous rapportant 3 doigts. C'est tout ce que j'ai pu sauver de l'engloutissement. Tout le monde a ri, mais moi je me suis juré ce jour-là que je serai votre femme. Ma femme? Toi? Vous? Mon oncle ne vous l'a donc pas dit? Non. Oh, alors ce que j'ai dit ne compte pas, je me sauve. Moi, un mari? Un vrai à mon tour? Mais c'est le bonheur, c'est la délivrance. Reste. Mais relevez-vous! Je t'aime! Demandez ma main à mon oncle et nous verrons. Me marier si je le pouvais, je serais libre. Je casserai ma chaîne. Seigneur, Seigneur, casser ma chaîne! Mon mari était chez lui! Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je vous attends. À genoux? Oui, quand je vous attends, je me mets à genoux. Monsieur! Que signifie? N'approchez pas, n'approchez pas! Avez-vous trouvé? Quoi? Le diamant que madame a perdu. Le diamant de ma bague qui est sorti de son chaton et que monsieur a la bonté de chercher. Diable! Un diamant? J'y tiens d'autant plus qu'il me vient de toi, mon ami. C'est le plus gros. Ne piétinez pas, surtout. Je vais chercher un petit balai. Ne piétinez pas. C'est pour le monsieur qui connaît le fiacre 2114. C'est pour moi. Le fiacre, que peut-il vouloir? Voyez. Si tu crois qu'on peut se promener avec une petite dame... Ça l'a déjà dit. Et ne donner que 25 centimes au cocher comme les gens vertueux, je croyais lui en avoir donné 50. Si tu ne m'envoies pas 1000 francs avant une demi-heure, je t'en demanderai 3000. Le misérable. Il faut payer, tout de suite. Mais c'est du chantage. Préférez
référez-vous au scandale? Et toi, j'avais un billet. Je n'ai que 20 francs. Oh mon Dieu! Et moi, 10! Ça fait 30. As-tu 970 francs sur toi? Impossible de mettre la main sur ce balai! Avez-vous trouvé? J'ai 25 centimes et 13 sous. Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait, voyons? C'est pour monsieur. Il y a quelqu'un qui attend. Une note qu'on me réclame. 970 francs. C'est bien. Je paierai plus tard. Mais pourquoi plus tard? Qui est-ce qui est là? Vrenly. Un tailleur. Dites que je passerai. Je n'ai pas la somme sur moi. Eh bien, est-ce que je ne suis pas là, moi? Vous? Ah non, par exemple. Monsieur Hermès. Vous me faites de la peine. Je me croyais votre ami. Certainement. En voyant, ne faites donc pas l'enfant. Porte ça à ce tailleur. Je vais le serrer avec l'autre billet. 500 francs. Plus 1000... Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Je vais le porter. Je ne pourrai jamais faire ce don. Quoi? Quoi? Vous l'avez trouvé? Quoi? Le diamant! Pas encore! Ne piétinez pas! Qu'est-ce que vous faites là? Ma femme a perdu un diamant. Celui que portait Mélanie. Mélanie? Cherchons. Oui. Je viens de voir Vrenly. Je lui ai dit, pas de réponse. Krampar, cherche aussi. Quoi? Un diamant de valeur, cherche. Eh bien, qu'a répondu le 2114? Il a répondu, ah, c'est comme cela. Eh bien, je reviendrai. Comment je reviendrai? Puisque je te rencontre, voilà les 500 francs que je t'ai empruntés. Ah, c'est vous? Tenez, vous l'avez trouvé? Non, mais puisque je vous rencontre, voilà toujours 500 francs, c'est ce que je vous dois. Ça ne pressait pas, voyons. Je viens de faire une rentrée. 2x3 font 9, 3x6 font 8. Crampas, est-ce que tu ne cherches pas? Voilà pour toi. Allons, mes enfants, cherchons, cherchons. N'ayez pas l'air. Arrange-toi un peu, le monsieur va t'interroger.
Vous avez envie de parler, monsieur? Oui, cher enfant. Et pas de cachotterie. Un maître, c'est comme un père. Laisse-nous maintenant. Je vais faire la chambre du jeune homme. Cause, cause avec le monsieur. Sans en avoir l'air. Quoi que vous me voulez, monsieur? Elle a un petit air qui appelle la faute et balaye le repentir. Ah, c'est drôle. Je ne peux pas être fidèle, moi. J'ai une femme charmante, bonne, douce et qui m'adore. Si je mourais, elle ne me survivrait pas. Eh bien, malgré cela, j'ai toujours une petite intrigue en l'air. Je suis un dieu. Avec Mélanie, c'était la même chose. J'en avais même deux. Mais j'étais plus jeune. Ainsi, la semaine dernière, je suis allé à ce polisson de la magie. Vraiment, j'ai tort d'y aller. Je dis toujours que je n'irai plus. Et j'y retourne. J'y ai cueilli une jeune polonaise appelée Ginette. Une femme adorable. Nous avons eu ensemble deux conférences. J'ai cela de bon, c'est que je ne m'attache pas. Tu as donc commis une faute, toi. Qui vous l'a dit? C'est mon petit doigt. Pas vrai, c'est crampant. Peu importe, voyons. Raconte-moi comment ce malheur est arrivé. Ah, non. Un maître, c'est comme un père, voyons. Quoi? Vous me chatouillez. Elle a des dents superbes. Regarde-moi. Oh, elle a des dents superbes. Pourquoi? Comment qu'on asticote les lampes? Tu demanderas, Ernest. Mais encore, voyons, mais ça viendra. Je vais faire la chambre du jeune homme. Voyons, mon enfant, comment as-tu pu te laisser aller à une pareille inconséquence? Ce n'est pas ma faute. J'étais amoureuse. Il était donc bien beau, cet étranger. Oh, oui. Jeune. Aria. De mon âge. Oh, cette bêtise, puisqu'il était jeune. Et qu'est-ce qu'il te disait? Il me regardait de côté, avec les yeux blancs. Comme cela? Ah, ben... Et après? Après, il m'a donné deux oranges. Un regard et deux oranges? J'en ferai une provision. Et ensuite, ne me cache rien. Le lendemain? Ah non, tu passes au lendemain, tu triches. Il m'a promis de m'épouser, et puis il est parti pour aller chercher ses papiers. Aïe. Je l'ai attendu 3 ans. Et comme il ne revenait pas, j'ai épousé grand-père. Et tu n'as plus entendu parler de l'autre? Ah si, il m'a envoyé une montre en argent. Voyons-la. Ah, je ne l'ai plus. Grand-père a dit comme ça. Que je ne pouvais porter le symbole de mon déshonneur. Alors, c'est lui qui la porte. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la montre retarde. Je t'en donnerai une autre, veux-tu? Ah, je veux pas. En or? Ah, je veux pas. Mon cher Marjavel. Oh, Ernest! Ernest? Lisbeth ici? Il ne manquait plus que ça. Vous a-t-elle nommé son criminel? Elle a dit de m'avouer quand M. Ernest est arrivé. Je reprendrai l'interrogatoire en remontant la cave. Lisbeth, va à la cave avec le monsieur. Mais c'est que... Et surtout, pas de cachotterie. Il faudra que je cueille ces oranges. Ah, qu'il est bon, monsieur, quand je pense que la femme à mon bourgeois a des manigances. Il ne voit pas clair. Faut que je lui ouvre les yeux. Je vais vous faire une confidence. Un secret qu'il ne faudra pas dire, parce que si vous le disiez... Ça ne serait plus un secret. Voilà, je crois que... Madame Hermance, c'est dit comme ça que vous l'appelez? Madame Marjavel. Je crois qu'elle fait des farces à son homme. Hein? Par exemple? On a vu monter un homme le long du treillage sous ses fenêtres. Allons donc. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce que je dis. Alors, ce pauvre bourgeois...
Un homme de cœur, je me suis dit, faut lui compter la manigance. Mais tu n'y penses pas? D'abord, c'est faux, et puis, ça lui ferait de la peine. Si c'est faux, ça ne peut pas lui faire de peine. Sans doute. Et si c'est pas faux, faut l'éclairer. Allons lui compter ça à la cave. Et ça ne se fait pas. Voyons, si un pareil malheur t'arrivait et qu'on vienne te le dire... On me l'a dit. Ah, eh bien, j'ai été vexé. Tu vois? Si je pouvais te fourrer dans une trappe... Eh bien, qu'est-ce que tu fais, là? J'attends le bourgeois. Mon salon n'est pas fait. Je l'ai balayé ce matin. Et le meuble à liqueur? Quoi? Sur le meuble à liqueur, il y a 4 carafons. Rhum, eau-de-vie, anisette, kirsch. Va les nettoyer, finis les 4 carafons, après tu passeras de l'eau et tu secoueras. Pour rincer, quoi? Chez nous, nous disons rincer. Que se passe-t-il? Crapard a grimpé un homme sur votre balcon et vous prévenir Monsieur Marjavel. Il faut lui acheter son silence. Mais c'est une manie. Mais que voulez-vous faire? Je l'ai lancé sur le meuble à liqueur et dans 5 minutes, nous coucherons. Et demain? Demain, nous verrons. L'important est d'éloigner votre mari. Viens, cher petit. Ah, ma femme. Nous arrivons de la cave avec Lisbeth. Oui, mon ami, je vois. C'est une excellente idée, la cave, Lisbeth. J'ai monté une bouteille de pommard, il commençait à tourner. Le moment est venu de le voir. Oui, c'est le bon moment. En effet, parce que le pommard, pour qu'il n'ait pas tourné. Crampa! Je crois qu'il a envoyé faire des courses. Moi? Du tout, il était là tout à l'heure. Crampa! Crampa! Méchant! Quel chant de bourgeois! J'ai quelque chose à vous dire. Il y a un homme qui monte la nuit par le treillage chez votre femme. Un homme? Ne l'écoutez pas, il est ivre. Laissons-le. J'ai une preuve. Une preuve? Quelle preuve? C'est Breloque attaché au treillage. Ma montre. Mais je la reconnais. Que faisait-elle accrochée au treillage sous les fenêtres de ma femme? Répondez, où alliez-vous? J'allais... Où alliez-vous? J'allais au secours chez Lisbeth. Oh, zut! Je ne m'en suis pas aperçue. Chez Lisbeth! Chez mon femme! Comment ça va? Ah, Rhoda! Non! Ne touche pas! C'est mon ami. Pétunia? Pétunia? Oui, monsieur. Toutes ces péripéties m'ont donné bien soif. Ah, mais ça tombe bien, monsieur. Il y a un quart d'heure d'autre acte. Ah, la bonne. À 8 heures, j'y suis, mais déguisé en jardinier, parce qu'après les événements d'hier, nous ne saurions être trop prudents. Hermance, j'ai cherché toute la nuit un billet tendre pour vous dire, n'en avez-vous pas assez de cette existence? Hermance, rentrons dans le devoir, épousons ma cousine Berthe. Pierre, avez-vous des melons pour ce soir? Ernest? Vous me reconnaissez? Je vous devine. Donnez-moi l'arrosoir. Et causons de loin pour ne pas être surpris. Ernest, je vous ai fait venir ici parce que je ne veux plus vous recevoir. J'ai trop peur. Moi aussi. Ernest, il faut en finir. C'est donc une rupture. Ne prononcez pas ce mot. Hermance. Je serai toujours votre ami. C'est encore trop, mon ami. Ernest, il faut vous marier. J'y pensais. Hein? Vous y pensiez? Je pensais que vous alliez me faire cette horrible proposition. Après ce que je vous ai écrit il y a 8 jours.
J'ai toujours votre lettre sur mon cœur. Et vous voulez que je prenne une femme? Il le faut, mon ami. Laquelle? Ma tante. J'ai déjà tout arrangé dans ma tête. Elle n'est pas très jolie, mais que vous importe? Oh, rien. Seulement, c'est une vieille demoiselle. Eh bien. Pendant que nous y sommes, je crois que nous ferions mieux d'en choisir une jeune. Laide, alors. Laide ou jolie? Jolie, jamais. Choisissons dans les laides. Cela m'est égal. Il y a ma cousine. Berthe. Cela ferait plaisir à mon oncle. Elle est très jolie. Je préfère que vous épousiez ma tante. Plutôt mourir de la main de Marjavel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cocher. Il vient de quitter le 7e bec de gaz pour venir se mettre devant la porte. Cependant, vous lui avez bien donné ce qu'il vous demandait. Mais il me nargue. Nous sommes à la merci de cet homme. Je ne peux plus vivre ainsi. Grand-mère, va me chercher le jardinier. Mort ou vie? Marjavel. Mariez-vous avec votre cousine. Aujourd'hui, à l'instant. Je vais écrire à mon oncle. Et j'annoncerai la nouvelle à mon mari. Adieu. Adieu. Ainsi, tout est fini? Tout. Enfin, je respire. Maintenant, je suis calme. Ah, mais le voilà! Dis donc, toi! Cet animal-là, c'est qu'on a perdu un diamant de valeur et il ratisse les allées. Il arrosait, mon ami. Je l'ai vu ratisser de la chambre d'Ernest. Arrive ici, Butor! Je t'avais recommandé d'emporter cette plante. Mais tu ne réponds rien. Une brute! Vous le chargez trop! Lui, allons donc, il est fort comme un bœuf. Eh bien, vous ne me souhaitez même pas le bonjour? Pardonne-moi, je suis préoccupé depuis. Crois-tu qu'Ernest est déjà sorti? Oh, monsieur Ernest a bien d'autres préoccupations en ce moment. Je crois qu'il est question pour lui d'un mariage. Ernest se marie? Oh, mais vous en serez certainement le premier informé. Oh, je ne suis pas égoïste. Je ne me plaindrai donc pas de perdre un ami que j'ai comblé. Car enfin, nous l'avons comblé. Il a 32 ans, il pense à son avenir. Ah, on pense qu'à soi aujourd'hui. Je m'étais habitué à Ernest. Il ne me rendait aucun service, mais il était dévoué. Il se marie, il a raison. Seulement, je trouvais qu'il faisait un célibataire excellent. Qu'il fera un mari détestable. Mais... Et qui épouse-t-il? Sa cousine, dit-on, mademoiselle Berthe. Berthe? Pauvre enfant. Oh, mais c'est Jobelin qui a imaginé cela. Mais Ernest n'a aucune fortune. Berthe est riche. Pauvre enfant. Mais c'est drôle, c'est lui que ça contrarie. Bourgeois, je viens vous demander une audience. Une audience, maintenant? Voulez-vous être mon témoin? Je vais me battre en duel avec le jeune homme qui a supporté Lisbeth. Tu en veux à Ernest? Je veux qu'il me respecte. Parce qu'il ne te respecte pas. Nein, j'ai trouvé une lettre adressée à mon femme. Une lettre? Dans les balayures. Et je ne lis le français que quand il est écrit en allemand. J'ai lu trois mots qui me chiffonnent. Voilà. Votre mari est un... Oui, c'est bien l'écriture d'Ernest. Est un quoi? Un imbécile, parbleu. Ah, ça ne veut dire que ça. Ça ou autre chose. Mais ce n'est pas adressé à ta femme. Quelle crainte peut-il vous inspirer, cet homme excellent? Il est heureux, naïf, pas incrédule. Naïf, pas incrédule. Je connais des gens comme ça, moi. Ne pensons qu'à notre amour. Lui seul existe. Le reste n'est rien. Il a une intrigue avec une femme mariée. Lisbeth! Allons donc. À Lisbeth, il aurait écrit Orange à discrétion. Oh non, c'est une dame du monde. Oh, mais quel fou. C'est de la passion. Oh, c'est du vitriol. C'est du pétrole. Mais Ernest ne peut pas se marier. Nous le garderons chez nous. Le déjeuner est servi. Qu'est-ce que tu manges là? Ça, c'est une orange. Qui te l'a donné? Ne réponds rien. C'est le monsieur. Oh, Pégas. Oui, j'avais par hasard une petite orange qui traînait dans ma poche. Si c'est le monsieur, je ne dis rien. Dieu, qu'il y a des maris bêtes. Des bêtes comme ça, on ne se marie pas.
Maintenant, il s'agit de s'expliquer. Hier, j'étais un peu dans les carapons, mais aujourd'hui... Mais quand je te dis... Vous m'avez schuldé. Warum sagst du nicht, dass du diesen jungen Mann nicht erkannt hast? Ich... Hatsu! Wenn ich sage dir, dass ich in meinem Zimmer niemanden gesehen habe, nur Mäuse. Mäuse, Mäuse. Sie haben keine Uhr, keine Brille. Was meinst du denn? So ist es nicht möglich. So und nachher? Pourquoi que tu ne m'as pas dit tout de suite que tu avais été trompé par un homme si comme il faut? Ça ne te regardait pas. Comment ça ne me regardait pas? Je n'ai donc pas mon amour propre, alors? Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. C'est bien, madame. Puisque c'est ainsi, je vais adresser une pétition aux tribunaux pour leur demander ma séparation de corps. Oh, Krampach. Et la permission de prendre des maîtresses jolies. Ah non, Krampach. Tu sais, depuis que tu es le livret, je t'adore. Dieu, que tu es beau comme ça. Tu me chiffonnes. Tu me chiffonnes. Oh, tiens, t'es un ange. J'ai tous les bonheurs à la fois. Mon oncle va venir annoncer la grande nouvelle. J'ai l'orange. Je serai marié à mon tour. Ma femme m'adore. Je n'aurai pas d'amis. Et vrai de lui me paye. Pas d'Ernest. J'ai tous les bonheurs à la fois. Nous l'avons aimé tous les deux. Dame, le hasard. Le printemps, c'était au mois de mai. C'est vous qui avez commis la faute. Mais je l'ai réparée. Tant qu'elle n'existe plus. Tant que je ne peux pas vous en vouloir. À la bonne heure. Voilà qui est bien raisonné. Soyons amis. Un domestique. Non, bah, il n'y a personne. Monsieur Jomblin, mademoiselle Berthe. Madame, je veux que vous soyez informée la première de l'heureux événement qui se prépare. Monsieur Ernest Jomblin, mon neveu, épouse mademoiselle Berthe Jomblin, ma nièce. Mademoiselle, je vous félicite. Oh, madame, je suis bien heureuse. Votre cousin vous aimait depuis longtemps. Vous ne me l'avez jamais dit, madame. Croiriez-vous cela? Ah? Il est si timide. Il ne l'aime pas. Soyez tranquille, je vais vous tirer de là. Hein? Comptez sur moi. Mon excellent ami, je veux que vous soyez informé le premier... Pauvre enfant. Pourquoi m'embrasse-t-il? De l'événement heureux qui se prépare. Éloigné, enfant. J'ai l'honneur. Il le faut. Force majeure. Berthe, mon excellent ami, t'autorise à aller cueillir un bouquet dans ses plates-bandes. On me renvoie. Il paraît que c'est plus convenable. Nous vous rappellerons. Mais... Pauvre enfant. Mon excellent ami, je veux que vous soyez informé... Assez. Tu viens d'annoncer le mariage d'Ernest? Oui. Ce mariage est impossible. Hein? Quoi? Comment? Ernest ne peut pas se marier. Et pourquoi? Il n'aime pas sa cousine. Permettez. Laissez-moi faire. Il a une liaison. Hein? Mais... Quoi? Il vaut mieux le dire tout de suite, non? Il a une de ces liaisons à tout casser qui enchaîne toute une existence. Mon neveu. Vous vous trompez. Il aime une femme mariée. C'est un amour coupable, sans doute. Mais cet amour a pour excuse sa violence, mais... Mais en es-tu bien sûr? Vous allez en juger. Hermance? Mon ami? Vous allez voir comme elle lit le sentiment. Lis-toi. Moi? Oui, ne te presse pas. Votre mari est un... Passe, c'est brûlé. Quelle crainte peut-il vous inspirer, cet homme excellent? Mon Dieu! Mon brouillon, continue! Quel supplice! Il est heureux, naïf, fin et crédule. Oh, vous savez, j'ai écrit ça. Ça ne fait rien. Je voudrais bien le connaître. Continue! Mon ami, est-ce bien nécessaire? Comment donc? La fin est déchirante. Écoute, Jomblin. Ne pensons qu'à notre amour, lui seul existe, le reste n'est rien. Mais plus de feu, voyons, plus de feu! Tu lis ça comme un chapitre de la cuisinière gourmande. Ne pensons qu'à notre amour, lui seul existe, le reste n'est rien. Le reste, c'est le mari de l'imbécile. Aucun obstacle ne peut nous séparer, aucune force ne peut nous désunir. Hein? Voilà de la passion. Tu es ma pensée, tu es mon âme, tu es ma vie. Bien, la suite. Je t'aime pour ta beauté, pour ta grâce, pour ce charme inconnu qui m'enivre. Tout ce que j'écrivais à Mélanie.
pensée. Ah, que je t'en veux des larmes que tu as versées. Avec une cocotte. Hein? Ma promenade avec Ginette. Il paraît que nous avons tous pris le même fiacre. Me tromper. Adieu, monsieur. Non, Hermance, je vais t'expliquer. Mange l'enveloppe. Cette lettre n'était pas pour moi, voyons. Est-ce que je suis un homme à promener dans un fiacre avec une cocotte? Faut qu'il donc, alors. Malheureux jeune homme. Quoi? Entraîner l'inconduite et le désordre. Mais ce n'est pas moi, je protège. Inutile, j'ai une preuve. Donne-moi l'enveloppe. Je l'ai mangé. Imbécile, animal. Il y avait indiqué dessus à monsieur Ernest Joblin. Comment? Vous êtes sûr? Maintenant, monsieur, reprenez cette lettre qui n'aurait jamais dû entrer dans cette maison. Tiens, c'est l'enveloppe. Quoi? Il a mangé la lettre? Monsieur Marjavel. C'est pour moi. Ah, je sais de quoi il s'agit. J'accompagnais la Cantizore au jardin d'acclimatation. On l'aura prise pour une. Oh, oh, monsieur, je me vengerai. Encore? La conférence est-elle finie? Oui, tout est arrangé. Quand vous êtes entrés, nous posions de la corbeille. Ernest se marie. Nous perdons un ami. Ah, monsieur, vous ne serez pas allant retrouver un autre. Que le ciel t'entende. Grand pas. Miss Bête! Mais vraiment! Rien de bête qu'on me dépoussait!